إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Le sujet que je vais aborder aujourd'hui est l'art de se comporter avec l'épouse. Nous implorons Allah pour qu'il nous aide et assure notre réussite dans ce qu'il aime et agrée. Oui, l'art de se comporter avec l'épouse, sans aucun doute. Mes chers frères, je dis chers frères parce que le discours d'aujourd'hui est adressé aux époux, aux hommes. Sans aucun doute, le mariage, rien que d'évoquer ce nom, ça fait danser les cœurs. C'est un bienfait énorme que Dieu a accordé à ses serviteurs. Le Très-Haut a dit, يَقُولُ جَلَّ وَعَلَا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Parmi ces signes, qu'il est créé pour vous à partir de vous-même des épouses, afin qu'auprès d'elles vous trouviez l'apaisement. Qu'il est, entre elles et vous, établi affection et miséricorde. En quoi résident des signes pour un peuple capable de réfléchir? Dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le sourate Ar-Rum, la sourate 30 et le verset 21. Oui, il a créé pour vous à partir de vous-même des épouses. À partir de vous-même. وَمِنْ أَيَاتِهِ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. C'est-à-dire, Ève, elle a été créée à partir de Adam. Donc, elle fait partie de lui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala réunit entre les cœurs des époux, entre ces deux cœurs étrangers, et établisse affection, miséricorde, sérénité, apaisement, tranquillité et stabilité entre eux. Les deux. Allah a donné l'autorité à l'homme. Il a dit Azza wa Jal, Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Les hommes ont autorité sur les femmes, à raison de ce dont Dieu les avantage sur elles, et de ce dont ils font dépense sur leur propre bien. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans surat Nisa, surat les femmes, verset 34. Dans une autre traduction, les hommes assument les femmes. Mon discours aujourd'hui est adressé au chef de ce petit royaume. Oui, le mari est le roi de cette petite famille. Ô toi le roi, comme bien sûr l'épouse et la reine. Ô toi le roi, si tu veux le bonheur pour ce petit royaume, la stabilité, la tranquillité, il faut que tu donnes réalité à cette autorité, avec tous ses piliers, conditions et règles légales. Beaucoup de frères se plaignent de leurs épouses, beaucoup. On entend par exemple un tel dire « Où est le bonheur et la tranquillité d'esprit ?» que normalement les époux vivent. Un deuxième dit où est le bonheur, où il dit je ne peux plus supporter ces manies et ces folies. Un autre se plaint et il dit elle m'a gêné avec ses sorties fréquentes de la maison. Et un autre dit trop de demandes, elle est très exigeante et trop de dépenses. Un tel dit, c'est devenu
insupportable. Elle déserte le lit. J'ai l'impression de vivre avec un bloc de glace. Un autre, elle ne cherche plus à me séduire. Fini la coquetterie d'antan. Je ne vois plus cette beauté d'avant. Je ne la vois que dans les cérémonies et certaines occasions. Un autre, elle ne s'intéresse plus à ses enfants, à leur éducation, à leur suivi scolaire. Un autre, elle ne s'intéresse plus à moi, mes droits. Où sont mes droits et mes désirs? Ce sont la dernière chose qui lui frôle l'esprit. Un autre, je n'entends plus d'elle la moindre parole douce. Je ne supporte plus, je vais divorcer. Ainsi que d'autres scènes de ménage, d'autres que vous avez sûrement entendu parler, ou peut-être même vous en étiez témoin. J'ai l'impression que tous ces hommes jettent le reproche sur la pauvre épouse pour pouvoir s'innocenter. Je sais très bien que je me suis mis dans une situation gênante. Est-ce que je défendrai ceux de mon sexe? Et là, les femmes vont se mettre en colère contre moi. Ou bien je me pencherai du côté du sexe féminin, et là, ce sont les hommes qui s'en prendront à moi. Après réflexion, j'ai trouvé que je n'ai d'autre alternative que de revenir à la première source, à savoir le Coran et la Sunna du prophète Allah. Oui, revenir à Allah, le livre d'Allah. Allah qui a créé les hommes et les femmes. Il a avantagé les uns par rapport aux autres par des caractéristiques. Chacun est complémentaire à l'autre. Chacun est prédisposé pour un rôle qu'Allah lui a assigné. L'homme est différent de la femme. Chaque cellule de la femme porte des caractéristiques féminines propres à la femme. Chaque cellule du corps de l'homme comporte des caractères mâles. Donc il y a une différence. Tous les savants sont d'accord. Tous les biologistes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a respecté la nature et la biologie, si vous voulez, de chaque sexe. Et il lui a assigné le rôle qui lui convient. J'en suis arrivé à la conclusion suivante. C'est que les problèmes conjugaux sont causés par les deux conjoints, à part égale. L'époux est responsable, tout comme l'épouse est responsable. Si toi tu te plains, cher homme, ben sache que la femme se plaint elle aussi. Telle femme dit par exemple, la journée au travail et le soir avec sa bande, je ne le vois que rarement. Une deuxième dit, il m'interdit de rendre visite à mes parents et à ma famille. Une autre se plaint, il dit, il ne regarde même pas ses enfants. Il se désintéresse d'eux et de leurs demandes. Une autre, il m'insulte, il me bat, il me malmène devant mes enfants. Il me gêne avec l'odeur de la cigarette, il abandonne souvent la prière. Une autre, très exigeant. Il critique beaucoup ce que je fais. Il est maniaque, il est très obsédé par les petits détails. Une autre, il me menace souvent par le divorce et par le mariage avec une autre. Allah, c'est comme si le divorce est une arme qu'on utilise à chaque fois qu'on est menacé. Alors que c'est la dernière solution. Une autre, elle se plaint en disant, j'essaie de le plaire. Je varie les parfums, les parures. Sans jamais entendre de lui la moindre flatterie, le moindre compliment. Une autre, il m'empêche d'aller assister aux leçons religieuses, aux conférences, et en plus il ne m'a jamais apporté la moindre cassette ou le moindre livre utile d'un savant ou d'un daïa. Une autre, il veille souvent à regarder les films, les matchs de foot, ou devant son ordinateur, ou chez ses copains. Une autre, il ne me consulte pas. Il ne consacre pas de temps pour discuter avec moi. La moindre parole et la moindre remarque, le moindre mouvement le fait révolter. Une autre, il ne s'intéresse pas à moi, ni à mes demandes, ni aux exigences du foyer. Une autre, il voyage souvent.
seul et il me laisse chez moi toute seule. Et je dis, la vie conjugale est entraide. Unification des efforts, sympathie mutuelle, amour, affection. La règle idéale du bonheur et de la tranquillité d'esprit réside dans la compréhension de ce qu'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète bien-aimé, il a dit, tout être humain se trompe. Et les meilleurs d'entre ceux qui se trompent sont les enclins au repentir. Et en cela, Abu Darda, que Dieu l'agrée, radiallahu anhu, le compagnon du prophète, a dit à son épouse, si toi tu vois que je me suis mise en colère, porte-moi bon conseil et éduque-moi. Et si je vois que tu t'es mise en colère, je te porterai conseil et t'éduquerai. Car sinon, nous ne cohabiterons pas longtemps. Regardez cette règle aussi. Regardez ce qu'a dit Abu Darda à son épouse. Sachons donc que la majorité des problèmes conjugaux ont une cause double. Les deux partagent la responsabilité, l'homme et la femme. Et c'est pour cela que j'adresserai à chacun un discours propre, s'il plaît à Allah, Inch'Allah. Aujourd'hui, mon discours est adressé aux hommes, aux époux. Bref. Peut-être que les hommes vont dire pourquoi tu as commencé par nous. Et je dis, premièrement, les hommes sont censés faire preuve de patience, d'endurance et de raison. Deuxièmement, c'est que l'homme a autorité sur la femme, il assume la femme. Troisièmement, c'est que l'homme, s'il sait comment se comporter avec son épouse, ben il découvrira que la clé du bonheur est dans sa main. La question qu'on pose maintenant, c'est comment se comporter avec l'épouse. Ou le comportement avec l'épouse est un art. Oui, c'est un art. Il faut que nous les hommes, apprenions cet art. Le mariage n'est pas seulement plaisir charnel. Le mariage ne se résume pas seulement à s'occuper du foyer et de le meubler. Le mariage, ce n'est pas une entreprise de procréation de garçons et des filles seulement, bien que ça soit l'un des objectifs du mariage. Le mariage n'est pas seulement nourrir ses enfants et les habiller. Beaucoup d'hommes, musulmans ou non musulmans, peuvent assurer ce genre de tâches. Et d'ailleurs, c'est Allah le pourvoyeur et non le mari. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le mariage, c'est le bon comportement. C'est une relation entre l'homme et la femme selon des règles légales. La femme a des droits sur toi et elle a des devoirs. Pareil pour toi. Droits et devoirs statués par quoi? Statués par la religion, par les preuves scripturaires, c'est-à-dire l'azil, la shari'a, le Coran et la sunna. Le Très-Haut a dit, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. Les femmes ont droit à l'équivalent de ce qui leur incombe selon les convenances. Les hommes ont toutefois sur elles préséance d'un degré. Sourate al-Baqarah, sourate 2, le verset 228. L'homme doit donc avoir connaissance de ses droits. Il doit tenir compte de ses droits. Or donc, d'où est-ce qu'on peut tirer cet art? L'art de se comporter, l'attitude à prendre, c'est un art. Cet art, on le prend pas de la télévision, ni des revues dépravantes, ni des livres de psychologie qui s'inspirent de Freud et de sa bande, avec toute la déviation qu'ils ont. On prend cet art de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du guide de l'humanité, du meilleur homme sur terre, du meilleur époux sur terre, notre modèle à suivre dans le comportement avec l'épouse,
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Vous avez dans le messager de Dieu un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate l'Ahzab, Sourate les Coalisés, 33, le verset 21. Nous devons tirer les leçons de la façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait avec ses épouses. Et c'est pour cela qu'Allah, puissant glorifié, a ordonné aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam de rapporter tout ce qui se passe chez lui, même si ces choses sont des secrets de famille. Il n'y a pas de secret dans la vie du prophète. Pourquoi? Parce que c'est un modèle pour nous. Même ce qui se passe chez lui, même dans la chambre avec l'une de ses épouses, tous les détails, les femmes du prophète, les épouses du prophète nous ont rapporté ça, pour qu'on le prenne comme modèle. Et c'est l'une des raisons que le prophète s'est marié avec plusieurs femmes. يقول الله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله. Et gardez dans vos mémoires. Odkur, c'est-à-dire gardez dans la mémoire. Et odkur aussi, ça veut dire rapporter. Et rapportez ce qui se récite dans vos maisons des versets de Dieu, min ayatillah, du signe de Dieu, c'est-à-dire le Coran, et de la sagesse, wal hikma. Et gardez dans vos mémoires et rapportez ce qui se récite dans vos maisons du signe de Dieu et de la sagesse. Signe de Dieu, on le sait, c'est les versets d'Allah, subhanahu wa ta'ala, donc les versets coraniques. Et la sagesse, c'est quoi? C'est la sirah du prophète, sallallahu. C'est sa tradition, c'est ce que faisait, c'est ses paroles, ses actes, ses approbations, ses désapprobations. Ce verset-là, c'est le verset 34 de la sourate, l'équalisé, sourate 33. Pourquoi ils doivent nous rapporter tout cela, comme j'ai dit? Pour qu'on prenne ce qui se passe dans les chambres du prophète Hassan comme code de la vie conjugale, comme minhaj. Comme minhaj, dans la conduite vis-à-vis de l'épouse. Pourquoi j'ai choisi ce thème? Ben pour les raisons suivantes. Premièrement, c'est montrer la voie de l'islam et la conduite à suivre dans le comportement avec l'épouse et sa compagnie, pour montrer beaucoup de ses droits que beaucoup de gens ignorent, surtout les hommes, ou que certains font semblant d'ignorer. Deuxièmement, c'est cette fausse image qu'ont certains hommes sur la femme. Ça, c'est dû aux mauvaises traditions, mauvaises coutumes, surtout les coutumes païennes, et aussi cette image, c'est aussi une vision chrétienne, si vous voulez. Donc, il faut se méfier de ça. Parce que, bon, cette fausse image, on la remarque chez beaucoup. Ils disent ça souvent, qu'il faut se méfier de la femme, qu'elle a une nature satanique, qu'elle a sorti Adam du paradis. Moi, j'ai vu certaines personnes se passer carrément la conscience suivante. Ils disent dès les premiers jours, il faut lui serrer les boulons. Et beaucoup d'hommes comprennent mal le hadith suivant, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Estawsu bin nisa'i khayra » « Recommandez-vous de bien traiter les femmes »« Fa inna al-mar'ata khuliqat min dhil'a » « Car la femme a été créée à partir d'une côte »« Wa inna a'waja ma fi dhil'i a'lah » est la partie la plus tordue de la côte et sa partie supérieure « Fa in zahabta tuqimahu kasarta » Si tu cherches à la redresser, tu la brises. وإن تركته لم يزل أعوج et si tu la laisses comme elle est, elle ne cesse d'être tordue. فاستوصوا بالنساء خيرا, recommandez-vous de bien traiter les femmes. Donc certains frères utilisent ce hadith comme une arme pour s'attaquer à leurs épouses. À chaque fois qu'il y a un problème, ils disent à leurs épouses: de toute façon, vous êtes tordu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit que vous êtes tordu, on ne peut jamais vous redresser, etc.
Et je dis, pour répondre à cette accusation ou à cette ambiguïté, je dis le fait d'être tordu n'est pas toujours un défaut. D'ailleurs, la femme a été créée à partir de la côte gauche de l'homme. Il ne lui est pas étranger, c'est de sa côte gauche à lui qu'il a été créé. Il a été créé à partir de la côte gauche de Adam alayhi salam. Et qui dit côte gauche dit cœur. D'où la proximité de la femme au cœur de l'homme. Donc on doit en déduire qu'elle est plus affective et qu'il faut se comporter avec elle, non pas comme on se comporte avec un homme, mais avec une femme. Et deuxième chose, c'est que la côte, si elle n'était pas tordue, elle ne protégerait pas bien le cœur. N'est-ce pas? Quelqu'un qui a une côte droite, c'est quoi ça? C'est une malformation squelettique. Donc la côte, elle est comme ça, elle est tordue pour protéger au maximum le cœur. Et tordue aussi, c'est une qualité, car elle est la femme dans sa nature, elle est toujours souvent pliée. On la voit. Enfin, la femme vertueuse, elle est pliée devant Allah, elle est pliée devant ses enfants quand elle les habille, quand elle les lave, elle est pliée dans l'entretien de son foyer, devant son mari. Donc, c'est une qualité. Et je donne un exemple. Le fait que l'arc, avec lequel on tire, le tir à l'arc, il est arqué, il est tordu. Est-ce que c'est un défaut ou une qualité? C'est une qualité. Et l'un des savants, il donne cette image. Il dit que l'arc, c'est l'épouse. Et l'homme, c'est la flèche. Donc, si cet arc-là n'est pas bien tordu comme il faut, ben la flèche ne va pas se lancer convenablement. D'accord? Donc ils sont complémentaires et le fait d'être tordu, c'est une qualité pour la femme. Troisièmement, l'une des causes qui m'a poussé à aborder ce sujet, c'est que beaucoup de femmes se plaignent du mauvais comportement de leurs époux, de son mauvais caractère. Certains vont jusqu'à les battre. Ce n'est pas le manhaj prophétique. Je dis, je le répète. Je rentre maintenant dans le cœur du sujet et je dis la première démarche à suivre, le premier art, comme j'ai dit, c'est d'être doux et séduisant dans ses manières. Par exemple, appeler l'épouse par les noms qui lui plaisent le plus. En lui disant, par exemple, chère femme ou mère de quelqu'un, Fulain, Mohammed. Si l'un de ses enfants, elle aime plus l'un de ses fils, on peut l'appeler, on peut lui donner un nom, mère de tel, mère de, comme un, et même une kunya, un surnom, comme Aïcha radiallahu anha, quand il a demandé le prophète de lui donner un surnom, et il l'a appelé Abdillah, mère de Abdillah. Bien que Aïcha n'a pas eu d'enfant. Donc, l'appeler par les noms qui lui plaisent le plus. Et non pas crier, hey, oh, oh toi, oh. Ce n'est pas une façon de l'appeler sa propre épouse. Et il y a une autre manière aussi, c'est d'adoucir la prononciation de son prénom en retranchant une lettre ou utiliser un diminutif qui exprime l'affection et la familiarité. Par exemple, le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari. Et musulman. Le prophète sallam a dit à Aïcha, Ya Aïch. Il n'a pas Aïcha. Il dit Ya Aïch. Oh Aïch. Hada Jibril salam. L'ange Jibril te transmet le salut. Et dans un hadith, il l'appelle aussi, le prophète sallam, il l'appelle Ya Humaira. Ya Humaira. Humaira, c'est un diminutif de Hamra. Yes. Ça existe aussi en français, je sais pas. Comme par exemple, pour adoucir le mot, par exemple, pour Pierre, on dit Pierrot. C'est à peu près pareil. Et Homaira, comme par exemple, on dit Homaira, c'est quoi exactement? Homaira signifie blanche, comme a dit Ibn al-Athir et le Hafid al-Zahabi. Ils disent Al-Homaira, selon la langue du Hijaz, c'est blanche. Avec une légère blondeur,
Donc, le prophète, il montrait beaucoup de tendresse, d'affection à Aïcha. Il la soignait, il l'appelait par les noms qui lui plaisent. Et un des aspects de cette tendresse aussi, c'est ce que rapporte l'imam musulman, le hadith de Aïcha, radiallahu anha. L'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, embrassait une de ses femmes alors qu'il était en état de jeûne. Il était ça, in kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yuqabbilu ihda nisa'ihi wa huwa sa'im. Et puis quand Aïcha, elle rapporte ce hadith-là, elle sourit. Pourquoi elle sourit? Parce qu'elle désigne elle-même que le prophète l'embrassait. Et l'imam Nasa, il rapporte sous le chapitre cohabitation des épouses, Isra Nisa, Aïcha radiallahu anha, il a dit, le prophète s'est précipité sur moi pour m'embrasser, et j'ai dit, je suis en état de jeûne. Et il a dit, moi aussi, je suis en état de jeûne. Ahwa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam liyuqabbilani faqultu inni sa'ima faqala inni sa'im. Et il a dit aussi dans un autre hadith, l'envoyé de Dieu passait la journée en jeûnant sans se priver d'embrasser l'endroit qui lui plaît de mon visage. Donc ça explique que le prophète l'embrassait par amour et non dans le but d'avoir des rapports avec elle, puisqu'il est en état de jeûne, par amour. Il le fait par amour. Non l'amour qu'on voit dans les feuilletons ou dans les films, l'amour entaché par la trahison, l'amour artificiel, le coup de foudre, comme ils appellent ça. On tombe amoureux du premier coup d'œil. Oui, c'est vraiment la foudre qui s'abat sur eux. C'est pas le coup de foudre. Et comme ils disent que l'amour, c'est du premier coup d'œil, et ça, c'est faux, selon la religion. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allahi wa ridwani khair, amman assasa bunyanahu ala shafa jarafin harik. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que celui qui construit sa bâtisse sur la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur l'agrément, est pareil que celui qui l'a construit sur la lèvre d'une falaise? C'est pas pareil. L'amour, ça s'entretient. C'est fondé sur des bases solides. Donc, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassait ses épouses alors qu'il est jeûneur, donc à plus forte raison, il les embrassait quand il ne jeûnait pas. Et donc, Akhi, n'attends pas que ton épouse te dise embrasse-moi ou un simple baiser renforce votre liaison. Un simple baiser peut dissiper toutes les réticences et les conflits. Ne crois pas que le fait d'entrer chez soi et d'embrasser son épouse, c'est une coutume des Occidentaux, des Européens. Mais c'est la tradition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'imam Nasa'i, l'imam Tirmidhi, l'imam Ahmed. C'est un hadith avec une certaine rupture dans sa chaîne des rapporteurs, mais c'est un hadith qui est renforcé par d'autres hadiths. Et ces imams-là rapportent que Aïcha radiallahu anha a dit que le prophète a dit Akmalul mu'minina, le croyant qui a la foi la plus parfaite est celui qui a le meilleur caractère et le plus doux à l'égard de sa femme. Ah, c'est ça qui distingue les hommes? Oui, c'est ça qui distingue les hommes. Le meilleur, il a dit le prophète, qui a la foi la plus parfaite. Et celui qui a le meilleur caractère et le plus doux à l'égard de sa femme. C'est-à-dire les rigueurs, ce n'est pas une qualité d'un croyant. Ces hadiths donc montrent que le prophète s'assemble se montrer doux avec ses épouses. Et parmi les aspects aussi de cette douceur et cette tendresse, c'est ce que rapporte l'imam Bukhari et Muslim. Dans le hadith dans lequel le prophète il a dit à Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu, toute dépense que tu feras y cherchant le visage de Dieu, tu en recevras le salaire. Y compris, tu recevras le salaire, y compris ce que tu prends et que tu mets de ta propre main dans la bouche de ta femme. Oui, y compris la bouchée que tu prends de ta main pour la mettre dans la bouche de ton épouse.
c'est pas seulement pour gagner son cœur ou parce que ça rentre dans le bon comportement, mais c'est une aumône dont tu seras récompensé. L'imam Nawawi, rahimahullah, il a dit à propos de ce hadith, mettre la bouchée dans la bouche de l'épouse a lieu généralement, le morceau, morceau de viande ou quoi que ce soit, la mettre dans la de ta propre main, tu l'élèves et tu la mets dans la bouche de ton épouse, il a dit, a lieu généralement lors des préliminaires, lors des câlins. Mais malgré ça, il dit l'imam Nawawi rahimahullah, il dit, malgré ça, si cette attitude a lieu dans le but de jouir de l'épouse, la récompense est comptée par la grâce de Dieu. Donc c'est une aumône. Et ce qui renforce ça, c'est ce qu'a dit, ce que rapporte l'imam musulman dans le hadith de Abu Dharr, radiallahu anhu, quand le prophète m'a dit, Inna bi kulli tasbihatin sadaqa, wa kulli takbiratin sadaqa, wa kulli tahmidatin sadaqa, wa kulli tahlilatin sadaqa, pour ça, dire subhanallah c'est une aumône, dire Allah akbar c'est une aumône, dire alhamdulillah c'est une aumône, dire la ilaha illallah c'est une aumône, wa amrun bil ma'ruf sadaqa, la prescription du bien est une aumône, wa nahyun al munkar sadaqa, et la proscription du mal est une aumône. Et puis le prophète il a dit ça, il a dit, même dans vos rapports avec vos femmes, il y a une aumône. Et ils disent, les compagnons, envoyés de Dieu, l'un de nous satisfait son désir et on reçoit de plus un salaire. Le professeur Samuel a dit, oui, dites-moi donc, s'il avait déposé son époux, son sperme, s'il avait déposé son sperme dans un lieu illicite, n'aurait-il pas commis un péché? C'est pourquoi lorsqu'il le dépose dans un endroit licite, il en reçoit un salaire. Donc même dans le rapport, oui, même dans le rapport, même quand tu prends le morceau de nourriture que tu mets dans la bouche de ta main, dans le but de jouir d'elle, tu recevras le salaire. Oui, tu recevras le salaire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre aspect sur la façon de manifester l'amour à son épouse, c'est ce que rapporte l'imam musulman dans son sahih suivant Aïcha radiallahu anha. Il a dit, il m'arrive quand j'avais mes règles et que je buvais dans un bol, je le donnais au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il mettait ses lèvres à l'endroit où j'avais mis les miennes. Et il continuait, il dit, il m'arrive aussi que quand j'avais mes règles et que je mange, je prends un os et que je mange de la chair et que je le donne au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il met sa bouche là où j'avais mis ma bouche. Sallallahu alayhi wa sallam. Quelle douceur! Il fait ça alors que Aïcha a ses règles. En cela, il y a une anecdote qu'ont souligné les gens du savoir, les ulama. Ils ont dit, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'agissait pas ainsi poussé par le plaisir, c'est-à-dire poussé par dans le but de jouir d'elle, parce qu'il a ses règles. Mais, ils ont dit, mais pour lui manifester son amour et son attachement à elle. En plus, regardez ce qu'ils ont dit. Il est permis de laisser ton épouse manger et boire avant toi. Tout cela relève de l'amour et de l'affection. On sait que dans la tradition du professeur Saint, il a dit que celui qui sert à boire est le dernier à boire. C'est le dernier. Celui qui sert est le dernier. Mais là, il a dit, il est permis de donner la priorité à l'épouse, dans le but de renforcer les liens avec elle et pour lui montrer l'attachement avec elle. Donc en cela également, le hadith de Aïcha, radiallahu anha, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'appuyait sur mon giron pendant que j'ai mes règles et récitait le Coran. La ilaha illallah. Alors qu'il avait ses règles, radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il met sa tête dans le giron de Aïcha, c'est-à-dire entre le bas-ventre et les cuisses, et il récitait le Coran. Qu'est-ce qu'on peut déceler de ces hadiths-là? Le professeur Salam faisait tout cela pendant que Aïcha a ses menstrues. Vous savez pourquoi? Par Allah, si les musulmans suivaient la voie du prophète Salam dans sa conduite à l'égard de ses épouses, ça épargnerait énormément de problèmes.
Aujourd'hui, les tribunaux sont pleins de dossiers de divorce. Les statistiques, ils montrent que 90% des cas de divorce ont lieu lorsque la femme a ses règles. Car dans cet état, vous savez que le corps de la femme, il subit des transformations. Il y a un changement dans le cycle hormonal, dans les sécrétions hypophysaires, dans les sécrétions de l'ovaire. Il y a de grands changements dans les hormones, les oestrogènes, etc. Il y a aussi changement dans sa température intérieure, changement physiologique, biologique. Donc ça se répercute sur son tempérament. Elle devient nerveuse, elle se révolte vite, son humeur change très vite. C'est pour cela que lorsque le fils de Omar ibn Khattab, ibn Omar, avait répudié une de ses femmes, il a divorcé, avait répudié une de ses femmes en période menstruelle, alors qu'il avait ses règles, le prophète a dit avec impatience à Omar, au père d'Abdullah ibn Omar, il a dit avec impatience à Omar qui lui rapportait la chose, il a dit, ordonne à ton fils de reprendre sa femme, jusqu'à ce qu'elle soit pure, et de nouvelles règles, et soit pure de nouveau. S'il désire de la répudier, qu'il le fasse alors, mais en s'abstenant d'avoir avec elle tout rapport sexuel. Regardez. Il a interdit, il a dit, dis à ton fils de reprendre sa femme. Prophète sallam, il a blâmé, il a dit, comment ça se fait que, c'est comme s'il disait, comment ça se fait qu'il répudie sa femme dans cette période-là. Il faut qu'il tienne compte, pour notre, que nous devons tenir compte de cette période menstruelle. De même, il n'a pas le droit, l'homme n'a pas le droit de répudier son épouse dans une période intermenstruelle dans laquelle il a eu un rapport sexuel avec elle. Subhanallah. Ben oui, c'est normal. La veille, tu jouissais d'elle, et puis le lendemain, tu dis, je te répudie. Bonjour, la gratitude. Donc, Harry, tiens compte de l'état de ton épouse. Quand elle a ses règles. Comporte-toi avec elle comme le fait le prophète avec ses épouses. Regardez les hadiths que j'ai évoqués pour Aïcha à ses règles. Il l'embrassait, il lisait le Coran, il s'appuyait sur elle et récitait le Coran. Il met ses lèvres dans l'endroit où il a mis ses lèvres, dans le bol. Ce genre de comportement, ça renforce et ça pérennise la relation entre les deux époux. Combien ça va te coûter de te comporter avec douceur avec ton épouse? Rien. La tendresse, les câlins, tout ça c'est recommandé par la religion. Tu gagneras un grand salaire auprès d'Allah. Tu gagneras la sympathie de ton épouse. Tu gagneras l'épanouissement de toi-même et de ton épouse. Donc comme j'ai dit, les câlins, les caresses sont recommandés par la religion. Quand le prophète sallam a dit à Jadr, lors du retour d'une des expéditions, le prophète sallam il a dit à Jabir, est-ce que tu es marié? Puis Jabir il a répondu, il a dit oui, je suis marié et tout. Et puis quand il a dit au prophète sallam qu'il est pas marié avec une fille qui est jeune, le prophète sallam il a dit, pourquoi pas une jeune fille avec qui tu jouerais et qui jouerait avec toi? C'est-à-dire que le jeu, s'amuser avec son épouse, c'est l'un des objectifs du mariage. Et ça rentre dans le rapport entre les deux époux. Et c'est recommandé par la religion. Ala bikran tula'ibuha wa tula'ibuk. Pourquoi pas une jeune fille avec qui tu jouerais et qui jouerait avec toi. Relève de cet art aussi, c'est le fait de passer sur les erreurs. Savoir fermer l'œil. Surtout ces erreurs-là concernent les tâches quotidiennes de la vie. N'oublie pas, Harry, que tout fils d'Adam commet des erreurs. N'oublie pas que tu as devant toi une femme et non pas un homme ou un robot ou un employé ou un collègue de travail. C'est ton épouse qui est devant toi. Donc, il ne faut pas être très pointilleux chez toi. Quelqu'un qui scrute les moindres mouvements, les moindres détails. Ce n'est pas une qualité d'un homme. Si tu veux être pointilleux, c'est dans le travail.
C'est dehors. C'est pas chez soi. Et là, ta valeur va baisser devant ton épouse si tu scrutes ses erreurs et tu contrôles et tu es aux aguets et tout ça. Faut pas être susceptible. La moindre erreur de ta femme te fait sursauter. Et regarde-toi en plus. Toi aussi, tu te trompes. N'oublie pas que ta femme a beaucoup de responsabilités. L'entretien de la maison, les tâches ménagères, la cuisine, l'éducation des enfants. Donc, il lui arrive d'oublier et de se tromper. Et n'oublie pas qu'elle est très sensible et très jalouse. Attention, attention. Ne lui fais pas de l'effet à chaque fois. À chaque fois, tu lui fais des remarques et des reproches. Parce que ça lui fait de l'effet, ça la touche. Et écoute bien ces exemples. L'imam al-Bukhari al-Nasa'i rapporte qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des invités. Écoute très bien cet exemple-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un jour des invités dans la chambre de Aïcha. Et Umm Salama, dans la chambre de Aïcha, c'est-à-dire, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il partageait les jours. Et donc c'était le jour de Aïcha. Et au jour de Aïcha, il avait des invités. Et là, il y a l'intrusion d'Umm Salama, l'autre épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Umm Salama, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a préparé un repas pour les invités. Et Aïcha est prise de jalouse, il a appris. Il a apporté une pierre lisse et il a cassé l'étui, la grande assiette, le repas qu'a préparé Umm Salama. Et il l'a cassé en deux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a collé les deux bouts, les deux morceaux de l'étui, de la grande assiette, et dit aux convives, mangez, mangez, votre mère a été prise de jalousie. Votre mère a été prise de jalousie. Rarat ummukum. Rarat ummukum. Votre mère, on sait que les épouses du prophète sont les mères des croyants. Enfin, le prophète a pris les clés de Aïssa et l'a envoyé à Salama. En échange, il a gardé pour Aïssa les clés cassées. Donc regardez à cette équité du prophète, à sa haute moralité, à sa bonne conduite, à sa tolérance. Il a résolu le problème d'une façon simple. Il a justifié le geste de Aïcha en disant, votre mère est tombée jalouse. Et il a respecté son humeur, il a cherché des excuses pour son geste. Il ne lui a pas fait porter les conséquences de son geste. Il ne l'a pas blâmé, car c'est Umm Salama qui est venue d'elle-même à la chambre de Aïcha pour donner le repas aux convives. Donc, regardez comment le prophète a respecté le tempérament de chacune de ses épouses. Comment il a entretenu cette jalousie. Il n'a pas dit à Aïcha, ne sois pas jalouse, c'est une nature. Elle est créée comme ça. Mais il a entretenu cette jalousie. Il a su comment s'y prendre face à cette jalousie. Et donc, il a tenu compte de ces rivalités qui arrivent souvent entre les co-épouses. Regardez la grande sagesse du prophète, certes. Certes, comme a dit Allah, tu es d'une moralité imminente. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Imagine que tu t'arrives la même chose, que tu sois mis dans la même situation. Comment tu te comporteras? Ou une situation moins grave que cela, dans la cuisine par exemple. Ton épouse, elle casse une assiette dans la cuisine. N'oublie pas que Aïcha, elle a cassé l'assiette devant les invités. Elle a fait ça devant les invités. Qu'est-ce que tu vas faire? Je crois que tu vas crier, tu vas lui dire, tu m'as humilié devant les invités, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça. Donc, Aïcha, pardonne et fais passer les erreurs. Si ton épouse a fait preuve de négligence, pardonne. Et en même temps, si elle fait des choses qui sont bien, il faut la remercier. Certains époux, ils ne voient que les défauts. Quand son épouse elle fait une erreur, ben, elle ne la pardonne pas. Mais quand, et les autres jours où elle fait des choses qui sont convenables, ben, on n'entend pas de lui une seule parole, une seule louange ou un seul remerciement. Il a été rapporté qu'un homme est allé voir Omar, Omar ibn Khattab, calife à l'époque. Il est allé le voir et il est allé se plaindre
du mauvais comportement de son épouse. Et pendant qu'il attendait sa sortie, près de la porte de sa maison, il a entendu l'épouse de Omar élever sa voix sur lui, sur Omar, et lui faire des reproches. Et Omar ne répondait pas. L'homme, quand il a entendu ça, il retourna sur ses pas. Il s'est dit, si Omar, l'émir des croyants, avec sa rigueur, supporte la situation, cette situation, alors qu'en est-il de mon cas? Et puis Omar sortit de chez lui et vit l'homme partir. Et il l'appela, il dit, qu'est-ce qui t'amène? Il dit, émir des croyants, je suis venu plaindre de toi contre le mauvais comportement de mon épouse et ses répliques sévères. Et quand j'ai entendu ton épouse faire la même chose, ben, j'ai décidé de rentrer chez moi. En me disant, si c'est ainsi le cas de Omar avec son épouse, alors qu'en est-il de mon cas? Et Omar dit alors, frère, je la supporte parce qu'elle a des droits sur moi. Elle me fait la cuisine, elle prépare mon pain, elle lave mes vêtements, elle allaite mes enfants, alors que toutes ces tâches ne lui sont pas obligatoires. En plus, près d'elle, mon cœur trouve l'apaisement. Il trouve l'apaisement, trouve la tranquillité. Et mon cœur ne penche pas vers les choses illicites. Je la supporte parce qu'elle m'assure tout cela. Et l'homme, il baissa la tête et répondit, Émir des croyants, et Amel Mu'min, pareil pour mon cas. Omar lui dit, alors supporte-la. يقول جل وعلا الله سبحانه وتعالى يقول وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الله لي si elle vous inspire de l'aversion, qui sait si votre aversion ne porte pas une chose où Dieu loge beaucoup de bien. Dans la sourate 4 et le verset 19. Si elle vous inspire de l'aversion, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, si elle vous inspire de l'aversion, Dieu n'a pas dit rompez avec elle ou redressez-les, mais fermez l'œil. Parce que le reste du verset explique. Car peut-être, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, si elle vous inspire de l'aversion, qui sait si votre aversion ne porte pas une chose où Dieu loge beaucoup de bien. Ben, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, comme il dit, fermez l'œil, car Allah, peut-être qu'Allah loge dans la chose qui vous déplaît. Ce n'est pas dans des qualités. Ce n'est pas dans ses qualités, non, mais dans le défaut. Dans la chose qui vous déplaît en elle, Allah loge une bonne chose. Je crois que vous m'avez compris, que vous avez bien compris le verset. Dans la chose qui vous inspire, l'aversion, Allah loge le bien. Qu'est-ce que ça sous-entend? Que vous devez patienter. Voilà comment était la vie des compagnons du professeur Solan, comme leur attitude vis-à-vis de leurs épouses, fermez l'œil sur les erreurs et louez les bonnes actions. Par là, la majorité des ruptures et des problèmes, c'est à cause des choses sans valeur. Il y a des problèmes qui éclatent, et puis quand on cherche l'origine, c'est quoi? Rien. C'est quelque chose qui n'a pas de valeur et qui a causé des grands conflits et qui a causé même le divorce. Comment également, c'est avoir soin de soi-même, se faire beau, entretenir sa personne, être propre, se parfumer pour son épouse. Quant à la beauté et la propreté, c'est selon les règles strictes de la charia. Pour l'homme, c'est ne pas se raser carrément sa barbe. Ça, c'est un problème parce que tellement on a perverti la fitra, la prime nature des humains, qui voit que la beauté réside dans le fait de se raser la barbe. Ajib. On a demandé à Aïcha radiallahu anha par quoi commençait le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il rentrait chez lui. Elle a répondu par le siwak, hadith rapporté par Muslim, le bâtonnet avec quoi on frotte les dents. Le siwak, bien entendu, il a beaucoup de vertus et même beaucoup de les médecins et tout actuellement, ils ont découvert beaucoup de vertus de ce bâtonnet-là. Il facilite la digestion, il empêche les comment on appelle ça, les gencives et beaucoup de problèmes. Donc les gens du savoir, ils ont déduit de ce hadith-là
qu'une anecdote scientifique finie. Pourquoi le prophète sallam se frottait les dents avant la première chose quand il rentre chez lui? Ils ont dit, فَلَعَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ لِيَسْتَقْبِلَ زَوْجَاتِهِ بِالتَّقْبِيلِ. Ils ont dit, peut-être que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ça, c'est-à-dire se frotter les dents par le siwak, parce qu'il avait l'habitude de recevoir ses épouses par les embrassades. C'est-à-dire, dès qu'il rentre, il embrasse ses épouses. Donc, il préfère avoir une bonne haleine pour embrasser ses épouses. Et Al-Bukhari, il rapporte que Aïcha radiallahu anha a dit, ça c'est comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait soin de soi-même, il a dit, je mettais le meilleur parfum que je trouve au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point de voir ses cheveux et sa barbe briller de ce parfum. Quand au tayyib an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi ma ajid hatta ajid wa bisa at-tayyib fi ra'sihi wa lihiyatihi. Donc c'est elle qui fait le parfum, qui met le parfum au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le fait que la femme met le parfum à son époux, ça renforce la relation, les relations. Et le Bukhari, il rapporte que Aïcha a dit, je peignais la tête de l'envoyé de Dieu alors que j'avais mes règles. Donc, il peignait aussi. Et dans les deux sahih, hadith d'Abu Huraira, le professeur sallam a dit, cinq pratiques sont inhérentes à la nature humaine. C'est-à-dire, ces pratiques-là, la nature humaine les aime. Ils sont inhérentes à la nature humaine. Ces cinq pratiques, il a dit, l'épilation du pubis, la circoncision, la taille des moustaches, l'épilation des aisselles et la coupe des ongles. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. L'épilation du pubis, la circoncision, la taille des moustaches, l'épilation des aisselles et la coupe des ongles. Donc, il faut vraiment se conformer à ça. Il faut vraiment faire ce genre de pratique pour plaire à son épouse. Et ça ramène un peu physiquement, on sent très bien. L'épilation du pubis, la circoncision, et on sait, on connaît, maintenant les médecins ont découvert que la circoncision a beaucoup de bienfaits. L'une des études, ils ont découvert actuellement que la circoncision, elle empêche même la contamination par le sida. Subhanallah, ajib. La taille des moustaches, bien sûr, il ne faut pas avoir les poils du moustache, la moustache pendre jusqu'à la lèvre inférieure, parce que ton épouse, quand elle te regarde comme ça en train de manger, elle ne va pas aimer. L'épilation des aisselles et la coupe des ongles. Dans Sahih al-Bukhari, suivant le hadith d'Ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, faites le contraire des païens. Coupez-vous les moustaches et libérez la barbe, c'est-à-dire la rendre fournie. Donc tous ces hadiths, ils montrent comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait soin de sa toilette, conformément à la religion, contrairement à ce qu'on voit chez beaucoup de musulmans aujourd'hui, soit une exagération, soit une négligence. Certains se rasent carrément la barbe, tellement la pervertit la nature que certains, on voit que se raser, ça rend plus beau. A tellement regardé les films et tout, et le héros, toujours, il a la barbe rasée. Et chez certains, c'est la contradiction totale. Mais vraiment, ils se rasent la barbe pour devenir plus beau, et en même temps, ils sentent l'odeur de la cigarette. Surtout l'odeur de la cigarette mélangée avec les parfums et tout. Subhanallah, où est la bonne haleine lorsque tu embrasses ton épouse? Qu'est-ce que cette propreté? C'est quoi ça, cette propreté-là? D'autres, c'est la négligence complète. D'autres, c'est ils s'habillent n'importe comment, vêtements sales, surtout du côté de la nuque et des mains. Et ça répugne à l'épouse. La moustache qui descend jusqu'à la lèvre inférieure aussi. L'épouse ne supporte pas voir son mari de voir son mari manger. Et la tête hirsute, les cheveux mal peignés, les ongles comme des griffes, avec la crasse dedans, les poils des aisselles, la mauvaise odeur qu'il dégage, aussi le problème des pieds, ça fait beaucoup d'épouses en souffrent. L'odeur des chaussures. Et après, certains hommes, ils se demandent pourquoi leurs épouses se révoltent contre eux. Ce sont droits,
sans droit. Elle est mariée avec un être humain. Avec un être humain et non pas, je ne veux pas dire la suite. Donc la nature humaine se penche vers ce qui est beau, ce qui est propre. Prends soin de toi-même. Prends soin de toi pour gagner l'amour de ton épouse. Si tu restes dans cet état, ce n'est pas seulement ton épouse que tu vas fuir, mais ton épouse et les anges aussi. Tu vas fuir tout le monde. Ibn Abbas, il a dit, radiallahu anhu, il a dit, je prends soin de ma beauté pour plaire à mon épouse comme elle le fait pour moi. Il prend soin de sa beauté pour plaire à son épouse. Un homme se présenta au calife, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. Il s'est présenté, c'est un homme, c'est un couple. L'homme avait la tête hirsute, plein de poussière, et c'est son épouse qui a pris la parole et il a dit, ô émir des croyants, c'est soit lui, soit moi. Elle veut se séparer avec lui, il ne l'aime plus. Et Omar, quand il a vu ce qui inspire l'aversion de la femme, il envoya l'homme prendre un bain. Allez, va prendre un bain. Et il a demandé qu'on lui coupe les cheveux et qu'on lui taille les ongles. Et lorsque l'homme revint voir le calife, il l'ordonna de s'avancer vers son épouse. Et son épouse, la malheureuse, ne l'a pas reconnue. Et elle s'est éloignée de lui. Puis après, il a fini par le reconnaître. Il a fini par retirer sa plainte et l'agréer, l'accepter. Et Omar a dit, il a fait cette remarque, il a dit, voilà ce que vous devez faire pour elle, car par Allah, elle aime, elle désire que nous nous embellissons pour elle comme vous désirez qu'elle s'embellisse pour vous. Tout comme toi, tu aimes que ton épouse porte les plus beaux parfums, soit propre, soit coquette pour toi, ben elle aussi c'est pareil. Donc faites attention à ça. L'imam al-Qurtubi, rahimahullah, il rapporte dans son livre d'exégèse, tafsir, al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an, il dit, il rapporte que Yahya ibn Abd al-Rahman al-Hanbali a dit, je suis allé voir Muhammad ibn al-Hanafiya. Muhammad ibn al-Hanafiya, c'est le fils de Ali ibn Abi Talib. Et il est sorti en portant un manteau rouge et de sa barbe descendent des gouttelettes d'un parfum al-ghaliya. Parfum al-ghaliya, c'est parfum précieux, c'est un mélange de parfums précieux. Et je lui dis, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Il a dit, ce manteau, c'est ma femme qui me l'a offert. Et il m'a enduit de ce parfum. Puis il ajouta, il a dit, elle désire de nous ce que nous désirons d'elle. Voilà. Un autre art, c'est d'être qanoua, être satisfait de son épouse, avoir l'esprit tranquille de ce que Dieu t'a donné. Il t'a offert comme don une épouse. Donc, il faut remercier Allah et se contenter de ce qu'on a. Ne pas laisser traîner ton regard vers les autres femmes. Et nous, on est beaucoup tentés. Parce que, pas traîner ce soit la télé, les revues, des visages de femmes faussement embellis par les maquillages et les couleurs de la caméra. Certains hommes ont été dupés par Shaitan au point d'aller faire la comparaison entre son épouse, la pure, la chaste, la croyante, la vertueuse, à telle présentatrice de télé, ou à telle star, ou à tel mannequin. Ou est-elle femme dépravée? Subhanallah, il fait la comparaison entre son épouse, la croyante, avec une épouse kafira, avec une épouse qui, avec une femme qui vend son corps moitié nu, où chacun a le droit de regarder toutes les parties de son corps gratuitement, une prostituée, si vous voulez, il fait la comparaison entre les deux. Allah dit dans le Coran, قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Dis aux croyants de baisser les yeux et de contenir leur sexe. Ce sera de leur part plus pur. Dieu est de leur pratique informé. Dans Sourate An-Nour 24 et le verset 30. On arrête maintenant, inshallah, pour continuer. Prochaine fois. Subhanakallah wa bihamdik.
أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.